Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé, avec ce soir Raphaël Mézrahi, Caroline Diamant, Jean-François Derecq, Perry Cochard, Annie Lemoine et Gérard Muller. Gérard, est-ce que vous pouvez dire à votre voisine qu'il y a un truc qui lui a poussé là? C'est quoi cette horreur? Oh, c'est ravissant. C'est une fleur, Laurent. C'est une fleur? Et il peut sentir comme ça sent bon. En se nichant le nez au milieu de En se nichant, oui. Vous avez fait, vous, hier soir, Caroline Diamant? Je suis allée au théâtre. Vous êtes allée au théâtre? Oui. Vous avez vu? J'ai vu une pièce, mais je sais que vous avez reçu l'artiste hier. C'est qui? Donc, Richard Berry. Et alors, c'était bien? Ah ben, moi, j'ai beaucoup aimé. Ah ben, tant mieux, ça en fait une. Très, très bien. Vous ne me demandez pas ce que j'ai fait, Laurent? Qu'est-ce que vous avez fait, vous, Derecq? J'ai eu des rapports sexuels, mais deux. Question importante, est-ce que c'est avec une ménagère de moins de 50 ans? Bien sûr, mais c'est devant France 2 surtout. Et alors, vous avez fait combien? 48%, 50%? C'était un taux de pénétration jamais inférieur à 50%. Je crois qu'il est temps, vous serez tous d'accord, de passer à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle de Lady Diana, dont le majordome dévoile seulement maintenant, six ans après l'accident, dans un livre, une lettre publiée hier par le journal britannique The Daily Mirror, lettre dans laquelle la princesse Diana prévoyait qu'on allait, je cite la princesse, « planifier un accident sur sa voiture, une panne de frein qui laisserait la voie libre à Charles pour se marier ». Ça paraît incroyable quand on pense qu'on a accusé les paparazzi, alors qu'en fait, ce serait pas par hasard. Si c'est bien elle, en tout cas, Diana, qui a écrit cette fameuse lettre 10 mois avant son accident, c'est vraiment tragique qu'elle ne soit pas encore là aujourd'hui, parce que franchement, c'est elle qui aurait pu remplacer Elisabeth Tessier dans Télé 7 jours. Pourquoi il a attendu aussi longtemps pour la sortir? Alors là, j'ai une réponse. Si ce livre se vend dans un prochain bouquin, le même majordome de Diana fera paraître une lettre qu'elle a écrite 10 mois après son accident. Et là, on sera vraiment sûr que le type est un déconneur. Ce qui est dingue, c'est d'imaginer évidemment la coïncidence cette semaine. Parce que regardez, je ne sais pas si vous vous souvenez, la date de la disparition de Lady Diana. 30 septembre? Non, 30 août. 31 août 97. 6 jours plus tard, qui disparaissait? Mère Teresa. Mère Teresa, voilà. Et donc, cette semaine, dans la même semaine, on nous reparle de ces deux femmes. Ce qui est sûr, finalement, c'est que Mère Teresa, elle était quand même plus solide que Mercedes. J'ai pas compris l'histoire. Donc, en fait, on aurait scié les freins de la bagnole de Lady Diana pour que Charles se marie avec Mère Teresa. Toute autre chose, une photo de la grève des buralistes suivie hier par 95% de la profession. On les voit là dans le journal France Soir symboliquement déposer des carottes devant une administration, comme quoi les carottes ça rend pas toujours aimable. C'est quand même un drôle de métier buraliste quand on y pense, parce qu'on y va pour acheter du tabac ou quoi? Bah, des jeux à gratter. En gros, les buralistes nous refilent ou le cancer ou des morpions, et on y retourne quand même. La grève d'hier? Bah, elles sont cuites, les carottes. Ils auraient dû les cuisiner un peu, non? Oh, joli! Non, mais c'est pas un métier d'avenir. Comment vous les avez comptées? Elles sont beaucoup plus cuites. Caroline? J'ai lu un truc qui m'a fait rire sur un buraliste belge qui disait qu'il ne voyait pas la différence entre les clients français et ses clients belges. Or, je sais qu'on ne dit pas la même... D'abord, on ne prononce pas la même... Il y a un petit accent quand même léger qui fait qu'on voit un peu la différence. Et puis en plus, on ne dit pas une cartouche, je crois. Chez les Belges, ils disent qu'ils achètent une farde. La grosse différence, c'est que les Belges fument des carottes et nous, on fume des cigarettes. Depuis que vous me connaissez, Laurent, il y a peu de grèves que je n'ai pas soutenues. Celle-là, je ne la soutiens pas. Et si demain, les fabricants de mines antipersonnelles faisaient grève parce qu'ils manquaient de boulot, je m'en réjouirais. Je suis désolé pour les fabricants de tabac. Allez, une autre photo. Celle du 10 Downing Street. Qui vit là-bas au 10 Downing Street? Tony. Dodi Al-Fayed. Al-Fayed. Oh là là. Non, comment s'appelle? La reine d'Angleterre. Mais non! Le premier ministre britannique, Tony Blair.
Tony Blair que les médecins ont mis au repos pour 24 heures après quelques soucis cardiaques. Je ne sais pas si vous avez vu cette photo, regardez, publiée par le Figaro, ouais. Mais il faut lui dire à cette Anglaise qu'il n'est pas mort encore, hein, Tony Blair. Elle lui amène déjà carrément une couronne de fleurs. En plus, d'après les dernières photos qu'on a de Monsieur Blair, franchement, regardez, il va bien. Qu'est-ce qui est arrivé à M. Blair alors? Une petite crise de tachycardie, ça nous arrive à tous. Un coup de chauffe. Allez-y, vous faites ça une guerre, prenez des coups dans la tronche, on vous attaque et tout ça. Mais vous... qu'est-ce que vous croyez faire? Pour moins que ça. Oh, c'est quand même pas la feignante qui va me dire ça. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Vous avez l'air de vous y connaître en tachycardie. C'est quoi d'abord une crise de tachycardie? Une crise de tachycardie, enfin je suis pas médecin, mais c'est quand le cœur tout à coup s'accélère un peu. Petite crise de tachycardie, c'est pas très grave. Je crois que, comme dit Perry, c'est vrai, il a donné un coup de main à bouche et il le paye cher, quoi, sûrement. Il faut tout le monde, d'ailleurs, il a changé physiquement. Oui, mais c'est le mental, à mon avis, qui a pris un gros coup. Mais c'est évident, bien sûr. Le mental déteint sur le physique. Vous m'en faites une équipe de médecins. On serait dans une pièce de Molière. Oh, quelle horreur. Ah, j'irai pas me faire soigner. Attends, tu nous demandes un diagnostic. Ouais, on te le fait, nous, le diagnostic, c'est pas... Ah bah vous, on vous demande n'importe quoi, vous le faites. Et elle fait même pas payer. Vous avez des conneries à dire que vous n'osez pas dire vous-même. Envoyez-les-nous. Perry Cochard, pour vous. Retour en France avec le déplacement du président Chirac à Valenciennes. Fief du ministre de la Ville, M. Jean-Louis Borloo. Chouchou de l'Élysée, nous dit le journal Le Parisien ce matin. Franchement, aller dans le Nord pour voir le chouchou, faut lui dire au président que les commandes aux trois Suisses, on peut les faire par téléphone. Il faut quand même le dire. Ce qui fait la popularité du ministre de la Ville, M. Borloo, c'est son côté cool, décontracté, sa coupe de cheveux désordonnée aussi. Ah oui, il est voilà bien. Une idée à suivre par M. Raffarin pour remonter dans les sondages, regardez. Ah non, finalement, c'est pas sûr. Gérard, vous vouliez dire? Moi, j'ai même fait une manif récemment avec le ministre. Il était à la manif de Ni pute ni soumise, et c'était assez sympathique de voir le ministre au milieu des manifestants. Vous êtes borloïste maintenant, alors, Gérard Miller. Non, mais j'aime bien de temps en temps montrer que le fait que je sois de gauche ne m'empêche pas de reconnaître cette chose à la droite. Il est vraiment ambitieux. Attendez 2 ans, il passe à droite. Mais oui. Il y a toujours des belles cravates, hein, tout le temps. Hein. C'est un gars, on peut compter sur lui. Hein, Nézraï, vous avez décidé de travailler pour la GAF ce soir? Non, mais c'était comme ça pour montrer que ça m'intéressait. Vous n'avez rien d'intéressant à dire depuis le début de cette émission? Si, ça va venir. C'est incroyable. Autre photo, celle de Christine de Vieilloncourt qui se lance dans la chanson, nous annonce le Figaro. Ouais, on ne sait pas encore si c'est la chanson de Roland, une reprise des Portes du Pénitencier, ou un duo avec Roland Dumas sur N'oublie pas mes petits souliers. Mais elle précise qu'on ne trouvera pas son disque dans les points de vente habituels. Alors on ne sait pas trop où. Moi je dis que peut-être faudra 10 points elf pour obtenir le CD gratuit. Elle viendra ici nous en parler de son disque, Christine de Vieilloncourt. D'ailleurs, elle s'appellera Chris Davis sur l'album. Elle change, elle modifie un peu son nom. Pourquoi pas, hein? Ouais, c'est pas Christine DJ. DJ, elle s'appelle. Elle va s'appeler Christine DJ. Oui, parce que de Vieilloncourt, heureusement qu'elle s'appelle DJ, de Vieilloncourt, ouais. D'ailleurs. Bah oui. DJ, tu voulais DJ. Bah oui, attends, c'est super original quand même. Bah, en tout cas, c'est une bonne idée si elle est aussi bonne à la chanson que. Dans les affaires. Oui, on lui souhaite beaucoup de succès. C'est pas moi qui l'ai dit. Alors là, comment ça, où? Dans les ministères. Ah non, maintenant c'est dans les maisons de disques. Une mauvaise nouvelle maintenant, la comédie musicale Tintin, vous avez peut-être lu ça dans les journaux, est finalement annulée à Paris à cause de problèmes financiers. De toute façon, c'est pas très étonnant, franchement. Le seul qui était capable de monter Tintin, c'était Pascal Sevran. 15 000 personnes ont déjà acheté des billets pour Tintin. Ils seront remboursés. Ouais. Peut-être pas, parce que peut-être qu'on va leur dire Tintin. Pardon, Gérard.
Oui, oui, c'est la fête au n'importe quoi ce soir. Vous excusez que Gérard Miller. Pardon ? Pourquoi vous excusez qu'auprès de Gérard ? C'est le seul qui dit pas de conneries ici, tu sais bien. Parce que Gérard, c'est la conscience de cette émission. C'est le Jiminy Cricket dont on a tout essayé. Moi, je suis quoi ? Oh, bah vous alors, rien. Vous êtes Jean-Pierre trois fois rien. Mais rebiffe-toi ! Tu es en devenir. Moi, j'attends que ça vienne, tranquille. J'ai le temps. Vas-y, coco. Ouais, bah votre femme aussi, hein. Même s'il n'y a pas de comédie musicale, il y a le cinéma, hein, puisqu'il y a un film qui cartonne en ce moment. Le Parisien nous le disait ce matin, c'est le film avec Will Smith, Bad Boys 2, hein, un carton actuellement au cinéma. Quoi ? Non, c'est parce que vraiment, one, two, two. Je vous l'écris phonétiquement. Two, two. Non, pas two. Moi, je trouvais que pour une fois, il avait bien prononcé le titre anglais. Bad Boys 2. Tu. Non, tout. Ah non, pas le... Ah oui, j'avais pas entendu le petit tu. Vas-y, tu. Quand on dit que le bad boy... Il y a un W. Oui, mais il se prononce pas. Laurent. Voilà, Méchant garçon 2, ça fait un carton actuellement au cinéma. Merci mon petit Jean-François. Et évidemment, comme ça fait un carton, on pense déjà à une adaptation française. L'affiche est déjà prête, regardez. Voilà. Sarkozy et Raffarin dans le... bon le seul fait. Pas mal. C'est pas mal. Ah, pas mal. Mais le problème, c'est qu'en France, en ce moment, le tabac, il est plus difficile à trouver. Après avoir remporté de nombreuses récompenses, dont une victoire de la musique en 2001 avec son album « Je fais ce que je veux », qui a connu un grand succès, et aussi, évidemment, les titres « Je sais pas jouer » ou « Pierre-Paul Jacques ». Ben, ça y est, vous avez deviné de qui il s'agit. Pierre-Paul Jacques, justement, le Bob Marley de la Nièvre, c'est là où il vivait, vient de sortir un nouvel album intitulé « Steam Turbine ». C'est un jeu de mots qu'il va nous expliquer dans un instant. Vous en doutez, c'est du reggae qui sent bon les herbes de Provence, à la différence du groupe Cana qu'on a connu cet été, qui lui n'a pas de problème dans sa plantation. Voici Pierre-Paul Jacques, Steam Turbine, c'est son nouvel album. Salut. Enfin. Ici, c'est ici. Ici, ok. Un changement de look. Ah ouais? Bah ouais. Ah bah ouais, quand même, ouais, changement de look. Steam Turbine, expliquez-moi le titre un peu quand même, là, parce que je comprends pas tout. Steam Turbine, on pourrait traduire ça comme, tu vois, les turbans bouillis. Ouais. Tu vois? Vous voyez ou pas? Ah c'est vrai, très bien. Turbans bouillis. Ah ouais, bah c'est ça en fait. Et, c'est moi comme je vois si... très bien, hein, un c'est turban comme... dans un panier un peu taille. On met de la vapeur en dessous et on nettoie comme non, ça? Non, non. Je l'avais pas vu comme ça au départ. Ah, en d'accord. Fait, c'est plus comme un turban sur une tête, tu vois, ouais. qui souffle sous l'effet de la vapeur, en fait. Ouais, un peu. Ah, ouais. Bah, d'où le steam, tout ça, sous quoi. Sous l'effet de la vapeur. Et qui, voilà. Qui vient d'au-dessous. Donc, comme vous avez fait un long voyage en bateau il n'y a pas longtemps, je crois, ouais. Vous êtes, on peut dire que vous êtes à voile et à vapeur, alors. Oh, changez. Non. Non, ça on peut pas le dire. Ah ça on peut pas le dire. Parce que c'est pas vrai. C'est pas on vrai. On dit que la vérité avec on toi. On dit que la vérité ici. Alors vas-y. Un extrait d'une des chansons de l'album, nouvelle chanson, Allez les filles, extrait du clip. C'est sympa le reggae quand c'est bien fait. Ouais. Est-ce qu'il y a du reggae mal fait? Probablement. Est-ce que par exemple le groupe Cana là, qui a fait un tube avec La Plantation, est-ce que ça vous aimez ou pas? Ben, est-ce que c'est du reggae trop commercial trop. Pour vous? Je connais pas trop. On s'en aperçoit pas, c'est bien ou mal fait, on est toujours pété. Perry Cochin, qui est une sorte de rasta, elle toute seule. Tu crois pas si bien dire. Alors allez-y. Dans ma jeunesse, j'aimais beaucoup le reggae. Mais oui, c'est vrai. Et donc, j'ai beaucoup aimé votre album. Sauf les 3-4 dernières, ça m'a un peu... Il faut dire qu'il y en a 17, hein, chanson. Oui, voilà, justement. Donc, la deuxième, c'est du pur Bob Marley. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est du bon son, comme on aime. Les 4 dernières m'ont un peu gonflé, comme je vous ai dit. C'est quoi le nom de la deuxième, alors? Un monde fabuleux. Voilà. Voilà. Et donc, je le recommande vivement. Gérard Miller.
Je vais essayer de vous poser une question sérieuse, mais allez. C'est vrai que votre disque est tout à fait réussi. Mais j'ai un problème avec le reggae qui, je m'en excuse auprès des spécialistes, est le même que j'ai paradoxalement avec le jazz. J'aime le jazz et le reggae, je ne suis pas spécialiste. Et quand j'écoute, c'est le cas avec votre album, un certain nombre de titres, à un moment donné, je ne fais plus de différence. Je ne suis pas assez, sans doute, doué musicalement pour m'apercevoir de la variation qu'il y a dans le reggae. Du coup, au bout d'un certain temps, et sans avoir fumé, je le précise, j'ai l'impression un petit peu que tout se confond. Comment je pourrais, aimant votre disque, arriver à la 15e, 16e ou 17e chanson avec le sentiment encore que c'est nouveau? C'est une bonne fume question. Bonne question. Il est bien, lui. Mais, en fait, moi, je ne sais pas trop quoi répondre, mais je sais que moi, ça peut me faire pareil avec d'autres types de musique, par exemple. Moi, je ne suis pas un spécialiste non plus. Je ne suis pas un spécialiste du reggae. Je suis juste un chanteur de reggae. Mais c'est vrai que je ne sais pas faire trop autre chose que ça. Mais j'essaie d'être à la hauteur vis-à-vis de moi, mes collègues jamaïcains, parce que j'ai fait tous mes disques en Jamaïque. Donc, j'ai un rapport spécial. Moi, je vais être à la hauteur vis-à-vis de mes collègues là-bas, quoi. C'était une bonne question, mais on n'a pas eu la réponse. Mais on n'aura pas la réponse. Mais Caroline Diamant. Alors, moi, j'aime pas le reggae. Ah ouais. C'est ce que je mettais à la fin des booms pour que les gens se cassent. Ça marchait. Ça, t'étais trop... Ce qui n'empêche pas que j'ai beaucoup aimé votre album. Alors moi, c'est pas dans les dernières chansons que je les ai trouvées mauvaises. J'ai adoré Peine de mort. J'ai adoré J'embrasse mes dents. J'ai adoré Petite luminosité. Et j'ai bien aimé le single actuel, Elle et les filles. J'ai trouvé que c'était, contrairement à mon idée, un peu surfaite, c'est vrai, sur le reggae, un peu mou, plan-plan, tout ça. J'ai trouvé votre production super dynamique. Et très dansant, donc vous réussirez peut-être à me faire danser sur du reggae. Pas en public, je vous le dis tout de suite. Derek, écoutez, bien. Moi déjà, je suis super déçu parce que il y en a qui vont me détruire. Après, j'espère. Non. Non, moi déjà, je suis hyper déçu. J'étais persuadé que vous étiez black, moi. Black de la Jamaïque, et je m'aperçois que vous êtes blanc de Nevers. Bon, déjà déçu. Mais ouais, je suis blanc, c'est comme ça. C'est pas un crime, il y en a plein qui sont comme ça. Tu connais des blancs, là. J'en connais, j'ai des très bons amis blancs, il n'y a pas de problème. Très drôle. Oui, alors, non. Alors moi, j'ai un problème avec le reggae, c'est que quand j'écoute du reggae, ça me donne envie de fumer un pétard, et quand je fume un pétard, je m'endors. Ce qui fait qu'au bout de 4 morceaux, je m'endors. Mais bon, cela dit, c'est agréable, le reggae. Raphaël Mesrahi, c'est un peu l'obélix du reggae, parce qu'il n'est pas tombé dedans quand il était petit, mais il en a les effets. Quand même. Oui, alors bon, mais moi, si vous voulez, j'adore Guy Béard. Le problème, c'est que j'ai rien retrouvé dans votre disque de lui. D'accord. Je connais pas très bien en fait. Oh le choc! Mais je raillis Pierre-Paul Jacques! dis-moi une chanson de Guy Béard tout de suite, ça va me revenir. C'est l'espérance. Oh et vive la rose, je ne sais pas pourquoi. Vive la rose et le lilas, je ne sais pas pourquoi. Vive la rose et le lilas, mon Dieu, quelle est belle! D'accord. Non mais ce petit gars, je connais pas et j'adore. Tout ce que tu fais, je rêvais d'aller à Zaya avec toi, me barrer très loin, vivre dans un monde imaginaire où le bonheur règne tous les jours. Il n'est pas imaginaire, il n'y a pas de bonheur tous les jours. Attends. Mais votre disque m'a fait planer, vraiment. Ah ouais. Encore un mot sur l'album, Perry ? Non, pas sur l'album, sur un truc un peu perso. Vous avez déclaré à la presse un jour que vous ne couperiez jamais vos... J'ai jamais dit ça. Si, c'est écrit. Oh, c'est pas vrai. En tout cas, vous l'avez fait. Je l'ai fait, mais tout ce qui est écrit n'est pas forcément alors, vrai. Alors, moi, je vous propose un truc pour la promo. Moi, un truc fort, un geste fort, un truc qui en jette comme ça à l'image. Je vous propose, étant donné que vous avez coupé les cheveux, pourquoi ne pas... Me dessiner un truc... Bizarre. Raser la barbe. Oh non, bah... Si, je vous assure. Alors, non, si vous êtes inquiet. Non mais regardez, si vous êtes inquiet... On peut bien faire plein d'autres trucs, je suis pas du tout inquiet, ouais. Là, mon avis, t'as la cote, hein, Perry. C'est pour ça que c'est moi qui vous propose... Ah, ça, c'est dangereux, en plus, ces trucs-là, oh là là. Non, mais justement, ne le mettez pas trop là. Alors, attendez, si vous êtes inquiet, on a fait un petit photomontage pour vous montrer comment vous feriez... Voilà, et je suis sûre que vous serez bien. Une fois, je me suis rasé... Voilà, super mignon. Tout d'un coup, on voit vos dents. D'ailleurs, ça veut dire quoi, embrasser vos dents? Embrasser mes dents, ça veut... Ah bon? C'est quand on est... D'accord. Donnez, non mais si! Attention. Non, mais c'est rien, c'est pas méchant. Moi, je propose un autre truc. Allez, bon. Allez-y, alors quoi? Bah, je vous rase un... Attends, je déconne! Non.
C'est un peu stupide. Bah, je vous rase le minou. Alors, je vous propose une chose. Vous vous rasez d'abord. Attendez, tu l'as eu. Non. Alors, c'est aussi dingue que si j'allais me raser la barbe ici. Quoi. Aucun problème, moi j'assume. Vous vous rasez. D'accord, et... déshabillez-vous. Ah, bah, Pierre-Paul-Jacques, doc gynéco, c'est pas vous, hein? Non. Allez, je crois qu'on va, sauver Perry de cette affaire. Dommage. Ah non, Perry, là, c'est foutu, c'est raté. Voilà, vous l'avez pris pour un blaireau, et ben c'est raté. Allez, Pierre-Paul-Jacques, l'album s'appelle Steam Turban et dans les bacs déjà. Il va y avoir un spectacle, une tournée. Ils s'en fout maintenant. Si, il va y avoir un spectacle. Parce que c'est quand même le truc le plus important quand on chante, tout ça, machin. Qui sera prêt, j'espère, pour janvier. Mais où, on ne sait pas encore. En France. En journée. Ok, d'accord. Je dis en France parce qu'on va ailleurs aussi, quoi. Ouais, j'ai bien compris. On va en Polynésie, on va aux Antilles, on va en Guyane, on va à La Réunion. Ben, vous viendrez ici, vous nous en parlez. Ouais, j'espère. Voilà. Laurent, attendez, je sais qu'on doit... terminé, mais Jean-François Derec, notre ami, a un excellent jeu de mots à faire sur les mois. Merci Gérard, personne. Jean-François. Je voulais savoir si la tournée continuera jusqu'en juin. Ce serait le mot de la fin. Merci Pierre-Paul Jacques. Okay, ciao. L'album Stinkerman. Monsieur Xavier Darcos, le ministre de l'enseignement scolaire, s'apprête à lancer l'opération Lycée sans tabac dans les établissements scolaires. Cette opération vise à interdire le tabac dans l'enceinte des lycées et évidemment à sensibiliser les élèves aux problèmes liés à la cigarette. Depuis vendredi, 22 lycées volontaires sont pour l'instant concernés par cette mesure, cette opération, les lycées sans tabac. Parmi ces lycées, le lycée Victor Duruy à Paris. Et dès la rentrée 2004, ils seront tous les lycées contraints d'appliquer cette nouvelle loi. Plus de fumeurs dans les lycées, c'est le but. Reste plus qu'à trouver évidemment une solution contre les fumistes. Perry Cochin, en tout cas, testez pour nous les lycées non fumeurs. Regardez cette caméra cachée par Thierry Andréot. Bonjour, Perry Cochin. J'ai testé les lycées non fumeurs. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Éteignez tout de suite! Vous n'êtes pas censé avoir sur vous des cigarettes en entrant dans le lycée. Donc, s'il vous plaît, vous passez sous le détecteur. J'ai pas une seule cigarette. Vous sentez la cigarette en tout cas, et donc vous ne pouvez pas rentrer dans le lycée. C'est-à-dire que j'ai pas le droit d'aller en cours. Vous êtes exclu du lycée puisque vous sentez le tabac et que vous êtes a priori. En plus, j'ai arrêté de fumer depuis lundi, c'est encore plus rageant pour moi. Vous êtes sûr que vous avez rien sur vous dans votre sac? Il n'y a pas quelque chose qui traîne? Peut-être des fonds de tabac, mais. Ah, bah c'est peut-être ça alors aussi. Hein. Par contre, il y a un problème, ma mère va croire que je fume après. Posez votre cigarette là. Je peux passer, madame, après? Vous êtes fumeur? Oui. Vous savez que c'est interdit maintenant de fumer dans les établissements et depuis lundi, il est interdit d'avoir des cigarettes sur soi. Dans le lycée? Absolument. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis obligée de vous confisquer vos cigarettes. Je sors du lycée, je fais ce que je veux. Moi, je suis obligée de vous interdire l'accès au lycée. C'est hallucinant quand même. Personne ne le sait, ça. Il faudrait mieux être sûr que tout le monde le sache avant de faire de la répression, non? Si vous voulez, on peut vous remplacer vos cigarettes, puisque là, je suis obligée de les confisquer. Par des cigarettes à l'eucalyptus. Non, moi, je suis désolé, mais là, non. Pourquoi? Il n'y a plus de liberté, là, je trouve, non. Je fume comme je respire. Comme un pompier, non, c'est bien pire. Justement, j'ai fait ça parce que je fume pas. Dès l'instant où vous êtes en contact et vos vêtements sont imprégnés de l'odeur ou vos cheveux sont imprégnés de l'odeur, ça sonne. Quand ma mère fume, comme je vais venir ici, je vais rentrer, ils vont m'exclure parce que ma mère fume. Oui, il faut que votre mère arrête de fumer aussi. Alors, fermez les tabacs. Non, moi je suis enseignante là. Oui. Ah, c'est tourne. C'est un détecteur de tabac. Un détecteur, c'est même le principe même, madame. Détecter, ce sont des élèves. Ils sont là pour apprendre. D'accord, il y en a qui fument, mais on essaie de leur expliquer par l'intelligence et pas forcément par le flicage. Je trouve ça honteux, ce genre de détection. Nous, on essaie de leur montrer. Peut-être qu'on s'y prend mal. Et peut-être qu'il y en a encore. Mais je trouve ça scandaleux. Alors là.
pour parler avec nous de ce sujet, de ce débat qui va s'ouvrir, un débat vraiment d'actualité, en plus avec la grève des débiteurs de tabac. Hier, on va accueillir un député, le député de Loire-Atlantique, qui est l'instigateur de la fameuse loi qui porte son nom, une loi pas toujours appliquée, mais qui en tout cas a fait beaucoup changer les mentalités depuis qu'elle a été votée. C'est de la loi Évin dont je parle. Voici monsieur Claude Évin. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Alors, c'est vrai, on peut le dire, votre loi n'est pas toujours appliquée. Elle a beaucoup fait râler à l'époque. Elle est de mieux en mieux appliquée mais, quand même. En tout cas, même qu'elle soit appliquée ou pas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle a fait énormément changer les mentalités. Tout à fait, tout à fait. Je ne l'ai pas fait pour ça, mais c'est extraordinaire en effet de constater qu'une loi a permis une prise de conscience. Ce n'est pas tout à fait quand même l'interdiction que semble préconiser le gouvernement aujourd'hui. Aujourd'hui, il est interdit de fumer dans les cours, il est interdit de fumer dans tous les lieux d'enseignement naturellement. Par contre, la loi, ou plutôt le règlement, le décret qui a été pris en 1992, permet de fumer dans des salles spécifiquement réservées à cet effet, dans les collèges pour les seuls enseignants, interdits pour les élèves, et dans les lycées pour les enseignants et les élèves. Ça, déjà, pardon de vous interrompre. Et ça, c'est déjà pas respecté. Voilà, je veux dire, avant de dire un lycée sans tabac, il faudrait au moins que le dispositif qui date maintenant depuis 10 ans soit respecté. Dans la cour de nombreux lycées, malheureusement, les élèves fument, on est d'accord. Pas n'importe où. Qu'il y ait des lieux dans lesquels on ne fume pas, je crois que ça permet d'une part de protéger les non-fumeurs, d'autre part, c'est aussi fixer des règles pour les fumeurs. Souvenez-vous de lorsque dans les trains, il était possible de fumer, eh bien beaucoup de voyageurs demandaient à être dans les wagons non-fumeurs. Je crois qu'y compris le fumeur souhaite avoir des lieux dans lesquels effectivement il puisse se sentir bien. Gérard. Alors moi je suis d'abord pour dire, regardez cet homme. On dit souvent à quoi servent les hommes politiques. Je ne connais pas toute la vie de M. Évin, ni public ni privé, mais cet homme rend nécessaire le fait qu'on vote. Il a sauvé des dizaines, des centaines de vies. Il n'est pas le seul. Moi, je le félicite parce qu'on voit à quoi servent les hommes politiques quand ils prennent des décisions. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Merci. La seconde chose, c'est qu'effectivement, c'est un long terme. On est rentré dans une période maintenant qui va encore durer peut-être 10 ou 15 ans. Mais moi, je vois sur mes propres enfants. Sur 4 enfants, j'avais une fille qui fumait. Eh bien, c'est vrai que depuis qu'il y a cette pression accentuée sur les fumeurs, à 22 ans, elle a arrêté de fumer. Ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu la loi Évin, s'il n'y avait pas eu les mesures que prend le gouvernement actuellement. Donc je suis à 100% pour, alors que je crois être un vrai ami de la liberté. Parfait. Annie Lemoine. Moi, je vais paraître vieille et réac, tant pis, j'assume, mais je ne comprends pas comment le tabac est rentré dans le lycée, il n'aurait jamais dû rentrer. Parce que c'est là où on apprend à fumer, c'est là où on commence à tomber accro et on devient dépendant. Il faut redire aux jeunes qui commencent qu'on n'est pas tous dépendants de la même façon, et c'est profondément injuste. Mais surtout, ne jamais commencer à fumer, donc interdiction de fumer dans les lycées. Je vais apporter mon témoignage et tous, vous pouvez vous aussi témoigner, c'est que j'ai 40 ans, j'ai commencé à fumer bêtement à l'âge de 38 ans, il y a 2 ans seulement. Et moi aussi, je trouve ça... J'ai encore du mal à sortir de l'adolescence. Oui, vous avez raison. Et jamais je n'aurais pensé être aussi dépendant de la cigarette. Voilà pourquoi. C'est en fait la première cigarette qui est la plus dangereuse. Je voudrais apporter mon témoignage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un mal de chien, mais un mal de chien à arrêter. Je suis patché, là, à l'heure où je vous parle. Ce matin, j'ai craqué, j'ai fumé une cigarette. Mes amis me voient à longueur de semaine, depuis un an maintenant, essayer d'arrêter, mettre un patch, l'enlever, le remettre. C'est une vraie difficulté. On peut pas croire qu'on s'arrête comme ça. On a une vraie dépendance, c'est une vraie drogue. Donc, il faut le dire, ne commencez jamais. Mais voilà, Laurent. Mais c'est vrai. Laurent. Vous êtes, Laurent, et mon ami depuis près de 10 ans. Oui. Je l'ai vu mettre un nombre de patchs incroyable. Je propose que nous tentions aujourd'hui quelque chose qui n'a jamais été tenté sur une chaîne de télévision française. Tu as à côté de toi Monsieur Évin. Bien. Ce n'est pas un patch que nous allons mettre sur ton épaule, c'est la main de Monsieur Évin. Vous touchez l'épaule. Il a guéri les écrouelles. Allez-y. Voilà. Voilà. Maintenant, tu ne dois plus fumer. Je suis en net progrès. Et si mon témoignage peut empêcher quelques jeunes de commencer à fumer, ce sera toujours ça. J'ajoute quand même pour essayer de l'aider, est-ce que vous voulez mesurer, Laurent, votre taux d'intoxication? Ah, je veux bien, oui.
Alors c'est un titre pareil, très simple. J'ai dû en fumer trois hier et une aujourd'hui. C'est déjà un net progrès. J'étais arrivé à presque deux paquets par jour en deux ans de temps. Ça permet de mesurer donc le CO, c'est-à-dire le monoxyde de carbone. Il faut prendre une grande inspiration, comme ça, et bloquer votre respiration pendant une seconde. Allez-y, respirez, inspirez, bloquez, et soufflez à fond là-dedans. À fond, à fond, à fond, encore, 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 encore. Ça n'a pas marché. Peut-être que j'ai rien, je peux continuer. Non, mais c'est vrai. C'est bizarre parce que vous n'êtes qu'à deux et deux, c'est normal. Bah oui, mais si j'ai commencé il y a deux ans, c'est peut-être normal. Que non, mais vous n'avez pas fumé peut-être aujourd'hui beaucoup. Une cigarette ce matin. Vous avez arrêté. Moi, j'ai arrêté il y a plus longtemps, il y a 15 ans. Il y a 15 ans, donc je pense que vous devriez être quand même revenu à la norme. Vous avez croisé Pierre-Paul Jacques dans les coulisses, non? Voilà. Non, il est sorti par une autre. Alors, prenez une il vous a rien proposé? Non. Inspirez fort, bloquez votre respiration et après soufflez. Soufflez, 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 soufflez. Oh là, il y a plus de souffle que vous. Non, non, pas intoxiqué du tout. Zéro, Laurent. Oui, c'était deux. C'est bien, voilà, voilà un homme politique qui applique ses idées. C'est parfait. Caroline, Diamant. Je fume. Et oui, je sais. Fume. Alors, si votre main sur l'épaule de Laurent donne des résultats, vous allez avoir une vie qui va être un enfer. Tous les gens que vous allez croiser vont vous demander un petit tapotage, ça va être très sympa. Non, je suis ravie. Aussi ont des pouvoirs particuliers, tu le sais. J'ai peur de fumer d'ailleurs. Derek. Attends, c'est juste une taffe. Mais vous n'avez pas peur que... C'est bien joli tout ça, mais vous n'avez pas peur que, par exemple, ça, dans les, si on interdit cigarettes dans les lycées, ça augmente, par exemple, le port du foulard islamique? Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de filles qui vont mettre dans un foulard islamique pour pouvoir fumer en cachette derrière. Tiens, vous rigolez. Regardez donc cette photo qui a été prise dans un lycée parisien. Il est con. Mesraï, vous êtes non-fumeur. Moi, je suis non-fumeur, je suis contre. D'ailleurs, merci pour votre loi, c'est formidable. Bientôt, ce que je disais la semaine dernière, sur les boîtes de haricots, il y aura écrit « pété pu ». On ne sait pas. Et autrement, on ne fume pas partout. Ma fille, qui est en moyenne section en maternelle, il ne fume pas du tout. Enfin, c'est déjà une bonne chose. Non, mais juste un dernier message. S'il y a des professeurs et des maîtresses d'école qui nous écoutent, eh bien, je crois que s'ils font systématiquement une alerte, s'ils poussent un cri et s'ils expliquent aux enfants le danger, ça marche. Non, ce que je veux dire, c'est que ça marche. Moi, mes enfants m'ont poussé à arrêter de fumer. Ils ont 11 ans, 7 ans, 5 ans. Mais parce qu'on leur a dit à l'école que c'est pas bien. Et quand ils rentrent tous les soirs, ils disent « Maman, c'est pas bien. Maman, c'est pas bien. » Ben, on finit par dire. Et je crois que vous avez raison. Aujourd'hui, les fumeurs, ils savent que c'est pas bien pour eux. Mais je crois qu'on doit plutôt communiquer auprès des proches. Parce que c'est les proches qui peuvent effectivement amener à faire changer les comportements des fumeurs. Ce sera le mot de la fin. Merci, monsieur Claude Évin. Au revoir. Hier est sorti « Et toi, mon cœur, pourquoi battu ?» chez Robert Laffont, le dernier livre du célèbre écrivain et académicien Jean d'Ormesson. Cet ouvrage, c'est en fait un recueil, une anthologie de textes de la littérature française que Jean d'Ormesson a lui-même sélectionné en fonction de ses goûts, d'où le titre « Et toi, mon cœur, pourquoi battu ?» On retrouve ses poèmes préférés à Jean d'Ormesson, les textes qui l'ont beaucoup ému ou même intéressé. Lui a écrit la préface seulement, mais c'est déjà ça, c'est d'ailleurs le seul auteur vivant qu'on retrouve dans ce livre. Alors accueillons tout de suite le bien vivant Jean d'Ormesson. C'est vrai ça, il n'y a que vous qui soyez vivant là-dedans. Oui, et encore. Comment ça, et encore? Eh bien, je vais vous dire, je suis un peu embarrassé en venant ici. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la dernière fois que je suis venu, c'était gentil, vous m'aviez reçu. Très bien. Il y a quoi, il y a à on peine... On est seul en plus. À peine un an. Hein. À peine un an. À peine un an. Vous revenez ici quand vous voulez, on entre ici comme dans un moulin. Vous êtes gentil. Eh bien, j'avais écrit un livre qui s'appelait « C'était bien », qui devait s'appeler « Adieu ». Bonjour Israël. Comment ça va, Jean? Ça va? Super. Bonjour Gérard. Le grand chant d'Ormesson a commencé. Et nous, on s'en garde. Je salue les hommes, et puis les femmes, on s'en occupera plus tard. Très bien, c'est prometteur. C'était un livre qui était un peu un adieu à la littérature. Ouais. Et voilà que 8 mois après, je suis de nouveau ici avec un nouveau livre. Besoin d'argent, peut-être. Peut-être. Bah oui, quand vous dites peut-être. Vous sortez un livre comme mais ça, on ne sait pas pourquoi. C'était plutôt, je me disais,
il faut quand même faire quelque chose. Mais quoi? Donc il fallait à la fois faire un livre qui soit assez beau et un livre qui ne contredise pas tout à fait l'éloignement que j'avais pris. Alors j'ai eu une idée de génie, j'ai eu deux idées de génie. La première idée de génie, c'était de faire écrire mon livre par les autres. Bien. Voilà. Alors, vous avez fait la préface, c'est tout. Je vais vous dire, j'ai écrit la préface, une postface. Oui. Laurent, ma deuxième idée de génie, c'est quand on recueille des textes comme ça, comment est-ce qu'on peut les classer? Il n'y a que trois moyens de les classer. Le premier, c'est par ordre chronologique. Bien. C'est un peu embêtant. La deuxième façon, qui a été adoptée par un de mes confrères, qui s'appelle Revel, qui a fait une très jolie anthologie. J'ai bien connu sa femme. Ah oui? Ben oui, où est-elle? On me l'a cachée. Elle n'est pas là aujourd'hui, Claude. Elle n'est pas là. Elle savait que vous veniez. Ah ben, je l'ai pas fait exprès, oui. Il avait adopté l'ordre alphabétique. Mais ça, ça m'a l'air un peu... L'anthologie était pas tant, Trevel était pas tant, mais l'ordre alphabétique, c'est un peu tarte. Vous avez fait ça dans le désordre. Alors, la troisième méthode, c'est de le faire par thème. Eh bien, j'en ai inventé une quatrième, qui n'est pas tout à fait le désordre. Ah. Ce que ça cache, ça, c'est ma vie. Ah, c'est voilà. L'ordre dans lequel ces textes sont venus à vous? À peu près. À peu près. Ou l'ordre dans lequel ils viennent à vous, parce que la première partie, c'est la jeunesse, l'enfance, le printemps. C'est joli. La deuxième partie, c'est l'été avec les passions. Ça, vous êtes le nouveau Vivaldi, hein. C'est les quatre saisons de Jean d'Ormesson. C'est les quatre saisons, voilà. Et c'est aussi beau que Vivaldi. Un bouquin d'ascenseur, donc. Alors, c'est pas une anthologie. Ce choix des goûts de Jean d'Ormesson, ses envies, ses passions, ses centres d'intérêt pour la poésie, pour la prose aussi. C'est vrai qu'il y a de la prose, mais je trouve qu'il y a beaucoup de poésie quand même. La vie selon d'Ormesson et toi, mon cœur, pourquoi? Bah, tu vas, mes petits camarades, justement, regardez vos goûts, vos choix, vos centres d'intérêt dans la littérature. J'ai envie de commencer par Annick, déjà le bouquin en main. Ouais, non, c'est bien, c'est formidable parce que c'est le choix de d'Ormesson. Alors, c'est comme si vous disiez à Jean d'Ormesson, bon, bah alors, va faire les courses et ramène-nous quelque chose. Il a ramené exactement ce qui lui plaisait, ses mots. Et alors, on retrouve tout d'Ormesson, l'amour, évidemment, grand sujet, le temps qui passe. Et Dieu, vous êtes là en tout entier dans ce livre et vous nous faites cadeau donc des mots que vous avez aimés. Une phrase de La Fontaine, aimer, aimer, tout le reste n'est rien. Voilà. C'est mon choix. Il y a aussi la définition de l'amour par Céline. Vous la connaissez. L'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches. Joli. Terrible. Vous les connaissez alors, vraiment tous par pardon, il nous a quand même laissé quelques pages blanches pour qu'on puisse, nous, ajouter. Oui. Il faut ajouter ce que vous aimez. Nos propres choix, ce qu'on aime, nous, nos mots à nous, nos chansons à nous. Je préfère pas lire, Derek. On peut faire un test, hein, Perry, par exemple. Oui, justement, j'avais envie. Allez-y, moi, je vous jamais alors, à oui, alors, facile, alors, c'est les textes que je connaissais par entièrement ou par bribes. Attends, bon, j'en essaye un. Alors, les souvenirs sont corps de chasse dont meurt le bruit parmi le vent. Oh, bon, Apollinaire. Parfait, c'est facile. Allons-y. Alors, moi, je vais faire dans le sens. Ça, c'est trop facile. Ça, j'en connais tout. Mais deux lignes de Mallarmé. Je vous donne les deux premiers mots et vous me finissez la phrase. D'accord. Comment... Non, pardon. Comme un casque. Comme un casque. Le champignon, Appel à l'ami, 50-50. Non. Avis du public. Avis du public. Joker, je vais téléphoner. Encore un mot. Non. Ils veulent trouver. Comme un casque guerrier d'impératrice enfant dont, pour vous figurer, il tomberait des roses. Bravo! Ouais. Attendez, plus dur! Un dernier! Rouvrez-le! Oui, j'ouvre! Et plus fort encore! Et nous avons des nuits plus belles que vos jours. Racine, quelle page? Non! Alors, Gérard! C'est vrai que j'ai des nègres qui sont les auteurs. Bah oui. Mais le livre, je l'ai fait moi-même. Gérard Miller! Il faut expliquer aux téléspectateurs ce qui se passe. Quand Jean d'Ormesson était plus jeune, il aimait les patrons, la droite et la langue française. Maintenant qu'il est plus vieux, il n'aime plus vraiment que la langue française. Et ses livres sont de fait de plus en plus beaux. Ce livre-là, ce qu'il y a d'extraordinaire en lui, c'est qu'on pourrait le conseiller à n'importe quel Français, mais aussi à n'importe quel étranger, pour savoir ce qu'un homme érudit, né avec le siècle dernier, à aimer. Moi, je connaissais presque tous les textes. Bon, il y a quelques oublis. Non, l'autre le prétend cela. Il l'a ramené. Non, mais pourquoi ça va pas. Je vais dire pourquoi. Attendez, on va vérifier. Alors, on va vérifier. Martine. Lâche Miller contre d'Ormesson.
Nous sommes les chevaliers du néant. Non, non. Je n'ai que l'idée que je me fais de moi pour me soutenir sur les mers du néant, Gérard. Non, non, laissez-moi terminer. Monterland, 1-0. Ces textes-là, ces textes-là sont ceux que quelqu'un qui a été à l'école française de la République, qui a ensuite eu la chance de suivre des études, puis de lire des livres, connaît. Ce sont les livres de la littérature française tels qu'un homme érudit du siècle les aime. Il y a quelques absences, pas seulement du XVIIIe siècle. Pensez que vous ne citez pas, par exemple, Francis James, qui est un des grands poètes, oui, quand même. Vrai. C'est vraiment vrai. Dommage. Vrai. Mais ce que je trouve formidable, c'est ça vrai, me rappelle, hein. Je vais vous dire, c'est le livre un des plus tristes que j'ai lu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça me fait penser à une des pages de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir arrive à la fin de sa vie et elle se rappelle tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a lu. Et elle dit, tout ça va disparaître avec moi. Bien sûr que nous aurons encore les textes que vous citez, mais nous n'aurons plus le regard que vous avez porté sur eux. Et franchement, je trouve que c'est d'une beauté absolue de savoir que ces textes, vous les avez aimés, choisis, répétés et sans doute portés dans votre cœur. Merci, Gérard. Moi, ça m'a fait plaisir. C'est vrai que c'est pas... Je peux le dire puisque c'est pas de moi, c'est le plus beau de mes livres. Malheureusement, dommage qu'il soit pas de moi. Hein. Est-ce que vous avez aimé ça, Derek? Alors écoutez, avant, alors j'ai un petit problème déjà, je sais pas comment il faut que je vous appelle. Est-ce que je vous appelle Jean, Bruno, Vladimir, François, Paul ou Lefebvre? Alors tous ces noms-là, c'est pas... Cher maître, appelez-moi, ou votre transcendance. Oui, parce que ces noms-là, c'est pas une famille nombreuse. C'est tous ces prénoms. Hey. Ouais, il faut pas s'étonner qu'ils passent tout le temps à la télé. En fait, il y a 5 personnes derrière. Caroline. Alors moi, je me suis dit, est-ce que je vais prendre autant de plaisir qu'à feuilleter le calendrier des rugbymen? Parce que je savais que feuilleter le calendrier, c'était à ma hauteur. J'avais très peur de ne pas être à la hauteur de ce livre. J'ai entretenu de très mauvaises relations avec la poésie depuis que j'ai quitté le lycée. C'est vrai. Et votre livre m'a donné envie de m'entourer de beauté. J'ai eu envie d'être dans un bel endroit pour le lire. J'ai eu envie d'avoir beaucoup de silence autour de moi. Ah bon, je n'ai pas tout aimé. Mais bien fait de venir ici, alors. Non, mais non, j'ai eu envie de beauté. Vous aviez, dans votre avertissement, vous avez dit, il n'aspire à rien d'autre qu'à donner un peu de plaisir et peut-être d'émotion à ceux qui le liront. En ce qui me concerne, vous avez réussi. J'ai eu du plaisir, j'ai eu de l'émotion. J'ai découvert qu'il y avait, oui, des poèmes que je pouvais aimer. Et c'est une très grande découverte pour moi. Et je vous en remercie infiniment. Tu as mûri, Caroline. Oh, Raphaël. Raphaël. Je ne peux pas me lever pour vous embrasser tous, c'est pas possible. Jean, ah, comment ça va? Cher maître, et votre sœur? Ça va. Non, mais ça, c'est une plaisanterie entre nous. Non, il n'y a que lui qui la comprend, la plaisanterie. Il n'y a que lui, parce qu'il m'avait interviewé un jour. On m'avait dit, il faut une interview, etc. Et puis, il s'était mis à parler de sa sœur. Et alors, moi, je ne comprenais pas. C'est bien lui, alors. Non, mais j'ai demandé de faire le discours de son mariage. Toujours très poli, j'ai suivi les aventures de votre sœur. Bon. Et ma cousine, c'est... Enfin, voilà. Alors, laissez-moi juste parler. Alors, on va jouer au jeu désormais célèbre qui commence aujourd'hui. Oh, bah, t'as qu'à t'en souvenir. Alors, parce que c'est... Alors, donc, un moment, dans un journal, vous répondez « Sûrement pas pour la postérité, même si je suis très lu. » La question, c'était quoi? Moi, je connaissais... Vous savez, je savais... Je ne sais pas quelle est votre question... Ou je n'ai pas entendu votre question, mais la réponse est non. Alors, la question, non. Quelle était la non, question savez... Redites-moi la réponse. Pourquoi vous écrivez, j'imagine. Voilà, pourquoi vous écrivez, oui, exactement. Pourquoi vous écrivez. Alors, une autre un peu plus compliquée, il y a le même journaliste à qui vous répondez « Oui ». C'était quoi la question? Oui. Oui. J'ai tant d'admiration pour votre génie. Je réponds oui. C'est un peu... Merci, maître. Non, c'est... Ah, vous savez, c'est leur flair et Caillavet. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont vu le... Qu'est-ce que vous racontez? L'habit vert. Il y a un type qui dit à un écrivain, cher et illustre maître, j'ai tant d'admiration pour votre génie. Et l'écrivain répond, pourquoi ces restrictions? Je terminerai par une des maximes que vous aimez bien. Alors c'est, nous aimons parce que nous mourons. Que pensez-vous de la maxime de ma cousine Dolores Boutboul? Nous dormons parce que nous nous réveillons. Ah oui, c'est bien aussi. C'est pas tant.
Je ne serais pas un bon animateur, monsieur d'Ormesson, vous vous en doutez, si non. je ne vous demandais pas oui. qu'est-ce que c'est que cette histoire de compte en Suisse dont on nous parle dans toute la presse depuis 8 jours. Vous avez raison. Ah, franchement. Alors, on va pas. C'est peut-être pas le lieu ici de parler de choses de cet ordre-là. Oh, ben quand même, un petit peu, parce que. Attends, y a des, c'est vrai qu'il y a de la poésie, il y a de la prose, il y a des vers, mais il n'y a pas de compte. Non. Alors, voulez-vous, je vais vous répondre. Écoutez bien. En tout cas, je suis tout à fait serein devant les questions qui sont injustes, bon. injustifiables. Bon. C'est l'Express hein, qui a sorti ça. Ah oui, vous leur en voulez à l'Express ? Oh, je ne leur en veux pas. La presse est absolument libre. La presse peut dire ce qu'elle veut. Je suis sûr de mon bon droit. Et comme vous avez vu peut-être à la fin de l'Express, m'ont démenti, je n'en dirai pas plus. La justice, de toute façon, a tranché. Vous êtes blanchi par la justice. Maintenant, c'est le fisc qui éventuellement se mêlera de cette affaire. Voilà pourquoi moi, je voudrais vous présenter un texte d'une poésie du 21e siècle. J'aimerais que vous la lisiez, mon cher Jean d'Ormesson. Allez-y. De qui est-ce ? Je ne sais pas de qui c'est. Ah ben, je vous le dirai après. Vous me direz après. Ouais. Donc je ne prends pas la responsabilité de ce que non, c'est juste, je voudrais que vous le disiez avec ce sens que vous avez de la poésie. Ma liberté de penser. Quitte à terrain tout prendre, glissant. Prenez mes gosses et la télé. Ça, vous pouvez. Ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça, c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme, le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée, de toute façon, à découvert. C'est pas si mal. Je veux bien vendre mon arme au diable. Avec lui, on peut s'arranger, puisqu'ici, tout est négociable, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Bravo! Parfait! Alors, je peux vous dire maintenant... C'est chanté par Florent Pagny. C'est une chanson de Florent Pagny. Je pense que c'est Obispo et Lionel Florence qui ont signé cette chanson. Voilà, vous venez de faire du Florent Pagny sans le savoir, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, M. d'Ormesson. Je trouve que ce texte, dans cette actualité qui vous concerne, vous collez parfaitement à la peau. Ah, pas tant. Merci Jean d'Ormesson. Vous restez avec nous pour le Tac à finir. On commence par Mgr Philippe Barbarin, qui vient d'être nommé cardinal par le pape Jean-Paul II. Vous le connaissez peut-être, Mgr Barbarin, non ? Il vient d'être nommé cardinal et il a déclaré « Et pourquoi n'élirions-nous pas cette fois-ci un pape ?» Il a déjà enterré l'autre, hein, lui, manifestement. Maintenant, il s'en fout, il est cardinal. Mais alors, un pape quoi ? À main levée ? Non. Africain. Alors, africain, vous voulez dire... D'Amérique du Sud. Du tiers-monde. Noir. D'Amérique du Sud. Noir. Ah, noir et... De Tanzanie, et d'Amérique du Sud. Et noir et d'Amérique du Sud. Bravo, Gérard Miller. Bravo, Jean d'Ormesson et Jean-François Derecht. Noir ou latino-américain. Pourquoi pas hein? Pourquoi pas. Hélène Segarra, une sainte. Pas en tournée, c'est une chanteuse, Hélène Segarra. Je vous ferai découvrir un de ses textes la prochaine fois. J'avais prévenu que je ne ferais pas cette tournée, si, mais je vous rassure, elle l'a fait, elle part en tournée, si quoi ? Si. Je suis moins fort sur Hélène Segarra que sur les cardinaux, forcément. S'il n'y avait personne dans les salles ? Non. Si mon bébé a trop besoin de moi ? Si... Qu'est-ce qu'elle fait alors ? Si je continue à allaiter. Non ! Elle l'amène avec elle en roulotte. Exactement, bravo Raphaël Bezrahi. Si ma famille n'était pas avec moi, a-t-elle dit Hélène Segarra, elle emmène son bébé en tournée. C'est bien. Madame Roselyne Bachelot. Vous l'avez rencontrée déjà, Madame Bachelot ? Jamais. Jamais ? Ça vous étonne. Quel malheur. Ça vous manque. Et à elle, donc. Je suis bien d'accord. Madame Bachelot a déclaré « Ah, c'est bon, l'Assemblée, c'est bourré de... » Shit. Non. C'est bourré de mecs. De... pas de mecs. On va d'hommes. D'hommes. Non, c'est qui à l'Assemblée pour elle ? Ce sont des... Ministres. Non, bah non, députés. Non, des copains. C'est une bourrée de potes, a-t-elle dit. Ah, c'est bon, l'Assemblée, c'est bourrée de potes, mais après, on peut vraiment mettre... Le bordel. Mettre la main au cul. Oh, non. Moi, j'ai une question pour Jean d'Ormesson. Laurent, j'ai une question que j'aimerais vous poser. Oui. Vous êtes réputé pour être un très grand séducteur. J'aimerais savoir, d'après vous, quels sont les trois... choses qui font qu'un homme peut être un vrai séducteur. Les trois dans l'ordre. Eh bien, ouais. La première, c'est de s'en foutre. La deuxième, c'est de s'en foutre. Et la troisième, c'est de s'en foutre. Avec ça, vous êtes sûr de réussir. Je peux revenir à Mme Bachelot, là. Elle a donc dit,
C'était dans le Figaro ce week-end. Ah, c'est bon l'Assemblée, c'est bourré de potes, on peut vraiment mettre... Pas la main au cul, genre. Non. Des tapes dans le dos. Le feu. Quoi? Le feu. Non. On peut vraiment mettre tout sur la table. À quoi? Par cœur. Qu'est-ce qu'on met sur la table? Son slip. C'est pensé. Qu'est-ce que vous avez dit? Son slip. Ah non, j'ai... Ça rime. Ça rime, mais c'est pas slip. C'est pensé. Non, c'est couille. C'est trip. C'est trip. Bravo Gérard Miller. C'est trip. Vous avez déclaré à Florence Belkacem, qui vous a certainement séduit, j'en suis sûr, vous avez déclaré à Florence Belkacem, vous savez quelle est mon ambition, comme je me range du côté des vieux cons, c'est vous qui l'avez dit, j'aimerais être classé vieux con catégorie trésor national vivant. Oui, voilà. C'est vrai ça? Ah oui, oui, c'est vrai. Bien sûr. Jean Dormesson. Ça vous étonne? Il y a longtemps qu'on n'avait pas remis une médaille dans cette émission. Non. Voici la médaille vieux con catégorie trésor national vivant. Ah non! J'essayerai, peut-être, j'essayerai d'apporter le genou à l'Académie. Vos désirs sont des ordres, ici vous êtes toujours le bienvenu. Merci Jean Dormesson, à demain, bye merci, bye. Merci.